Hey, salut les athlètes, c'est Jérém, on est dimanche, il est à peine 8h. Je suis au chemin du Tircu à Florac, rive droite de Bordeaux, et on est parti pour 3 heures de trail. On va faire une boucle de 3 km que j'ai déjà faite en 2021, on est avec la team que vous avez vue. On va partir là dans 2-3 minutes. L'idée c'est de marcher pendant les deux grosses bosses et de courir en descente et sur le plat pendant 3 heures. Voilà, ravito, holy fat, la casquette, on a tout ce qu'il faut. Allez, vamos! Bon, ça y est, on est en route sur la deuxième boucle déjà. Après un peu plus de 25 minutes. Donc si on met 25-26 minutes pour faire une boucle, c'est très bien. On verra ce que ça donne au bout de 3 heures. Le chemin de Tircu, un des chemins les plus célèbres pour les trailers rive droite, qui est bien, bien humide aujourd'hui. On en profite pour tester le matos, la tenue de course et le ravito. Je vous montrerai tout à l'heure, mais je continue avec Olifat, purée cacao sel, de l'eau dans les flasques, puis ça suffit. Il y a déjà beaucoup de monde dans le chemin à cette heure là attention coureur. Salut. Toujours derrière la quintuple championne du monde de biathlon qui n'a pas son fusil. On est dans la troisième boucle après 1 heure, petit ravito à l'instant, et là on est dans la première descente de la boucle après le chemin du Tircu à côté du cimetière. Donc on envoie pour travailler la contraction excentrique des quadris. Très important ça dans les séances de trail d'aussi bosser les descentes. Alors prenez des descentes pas trop techniques pour pas risquer la chute ou la cheville. Allez, on attaque la deuxième bosse de la boucle. Chemin du bois des coteaux. Tout à fait. Très belle boucle de 3 km 2 avec 100 mètres de D+ à peu près. Parfait. Et moins monotone que les allers-retours dans le chemin de Tircu. Toujours avec les copains. Oh là 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 là. À montrer dans les écoles de trail et de biathlon. Ouais, on va pas faire. Hein. Oh! On passe au milieu du marché pour la troisième fois. En fait, on n'avait pas besoin d'emmener du ravito. Allez, fin de la troisième boucle. On a de la pluie pour accompagner cette quatrième boucle. C'est cool. On va en profiter de cette petite montée pour manger un petit peu. 1h30, ça commence à piquer un peu. Punaise, cette purée cacao sel, noix, amandes, fèves de cacao, sel, elle est incroyable, tellement bonne. Et le chemin devient de plus en plus boueux. Parfait comme condition d'entraînement. Entraînement difficile, course facile il paraît. Allez, on est parti pour la cinquième boucle. Ça va toujours. Le dos qui tire un peu. Mais ça va. De plus en plus boueux. Allez, on est parti pour la sixième et normalement avant-dernière boucle, puisque ça fait
2h08 de course. Il va pas falloir trop traîner non plus pour boucler les 7 boucles et 22 km en 3h. Bon, niveau énergie, on est bien. Franchement, je sens aucune hausse, aucune baisse. Merci Olifat. Merci la purée d'oléagineux. Hyper efficace. Après, musculairement, bon, bah, il y a la semaine de crossfit et de running post 5 km dans les jambes. Donc ça tire un peu, notamment dans le bas du dos. Mais ça va. Donc cette prépa, là c'est la première vidéo que je vous fais. Mais la prépa, elle a commencé déjà début janvier, hein, avec quelques séances de côte, notamment une ici d'une heure. On avait fait des allers-retours et également à Blanquefort où on avait fait 2-3 séances de côte, pareil, une heure d'aller-retour. Donc on part pas de zéro, la prépa démarre pas mi-février pour mi-mars. Et puis il y a tout le travail au crossfit aussi, hein, évidemment. Et cette prépa, elle est un peu particulière dans le sens où elle est hybride, déjà avec le crossfit et ensuite avec une prépa semi pour fin avril. Et ça, je vous en reparlerai plus tard. Allez, on est parti pour le dernier tour. Hey, ça tire dans les gambettes. Toujours avec Jus derrière et Titi. Allez, dernière descente et on arrive à la voiture. Bon, je suis arrivé à la voiture à 53, 2h53, donc bah, on remonte un peu, 2-3 minutes, puis on va redescendre pour faire 3h. Salut. Ça tire. C'est un peu tiré la bourre avec Jus sur la dernière boucle. Aïe. Bon, toujours pas de baisse d'énergie. Incroyable, il fait. Allez, dernière descente. Et on sera à 3 heures de sortie. C'est parfait. Bon, voilà les athlètes, hein. C'était la première vidéo pour la prépa du San Perico, donc consacrée à une seule séance. Mais semaine prochaine, vous aurez toute la semaine de course en résumé. Portez-vous bien, à très vite. Ciao, ciao. To match love you is struggle. I feel like